là où la pilosité est un élément distinctif de talent, recevez celui là-même qui use de sa taille pour démontrer son talent, l'inimitable, non, que dis-je, Atelier Man Maurice Goumet. Chaque jour, quand il se réveille, il réfléchit, qu'est-ce que je peux dire pour gâter le cœur de Boris avant qu'il commence le WAM. Chaque matin, ça, ça lui pense. Quand il arrive ici, Atelier, il utilise de sa taille, il fait être un petit, lampadaire, là, il n'y a rien dedans. Hein? C'est puissant. Lampadaire, là, il n'y a rien dedans. OK. C'est un artiste au grand cœur qui a décidé de tendre la main à ses jeunes frères. Bien en place dans le game depuis quelques années, il a voulu passer le flambeau à la nouvelle génération pour l'amour de l'art, pour l'amour de la culture hip-hop. Jojo le Barbu sera là tout à l'heure pour un rap cypher en fer. Avant lui, le kicker venu tout droit de Paris, rappeur Lims, en tête des tendances en France, sera avec nous pour nous parler de son actualité. Et pour son traditionnel du lion en face, Henri a traversé la ville aux côtés de Paquito. Tout un programme, franchement, ça a déchiré. En attendant de dérouler ensemble ce programme super alléchant, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. Je suis Boris Gouma et sur Live TV et la TNT Midi, c'est l'heure de William Midi, les esprits. Bienvenue! Bienvenue! À 11h passé de 32 minutes, je suis encore beaucoup plus heureux de vous retrouver, Wamiens et Wamiennes, pour un super moment d'enjaillement, un moment de rigolade avec des buzz, des clash, des news people. Tout le programme de William Midi, vous connaissez et c'est pour ça que vous êtes si fidèles à notre rendez-vous. On va partir tout de suite avec la cagnotte de Willy. Cette semaine, il y a 1 150 000 francs à remporter pour celui qui devinera ce qu'il y a à l'intérieur. Les vêtements, on applaudit quand même. Pour le... Attends, Eli. Non, attendez. Là où vous êtes là, vous avez 1 150 000 sur vous. Maintenant, tu attends 1 150 000, tu n'applaudis pas. Arrêtez ça. 1 150 000 francs à gagner. 27, 22, 54, 98, 50. 27, 22, 54, 98, 51. Le roi de l'ambiance, le king des Atalakou, Mr. Woy, va faire son entrée maintenant. Toujours sur le beat proposé par moi. Toujours. Woy. Marco Denon. Woy. Allez. Je bonya, brenda, brenda encore. Je bonya, oh, rio, rio. Je bonya, rosine, quoi, quoi. Je bonya, kibé, 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 kibé. Oui, est-ce que ça va? Oui, c'est bon. Et maman, il bille mon amant dans la cannabis, on a mamé. Bonya, oh, lélélé. Cyril ou ma père, bonya. Oh, à gogo, bonya, eh. Lopé, 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 les dix divinés, divinés, lopé, oh, 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 Miki, Miki, Gomé, on te bonya, oh, 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 yeah, yeah, lé, 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 j'ai donné la merveille, on te bonya, gilet, gilet, jantané, jantané, ouais, passé, brenda, 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 encore, ballon, 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 Bobby, Ahmed, Jalo, Ali, Ali, Bansé, on te bonya, wow, wow, yeah, 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 chale, 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 ou koto, on te bonya, wow, wow, yeah, yeah. Et puis la mona matala, bisoko matala, qui bako loko matala, kaba sabine, titi bini, qui matala, ma bino koba, siri lumbape matala, bisoko matala, kabo bi. Oui, sorry, koma ke, 1, 2, 3, so. Bonya, légitime, légitime, n'est tout le plus, on te bonya, yeah.
Asane Ouattara, Asane Ouattara. Omoya, wo 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 wo. Où est passé, monsieur, 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 princesse Souba. On a Ephraim qui nous appelle là maintenant. Ephraim veut tenter sa chance pour repartir avec 1 150 000 francs. Allô Ephraim? Oui, allô. Comment vas-tu mon frère? Ouais, ça va, oui. Ephraim, tu nous appelles d'où? Je vous appelle de Bodoukou. Bodoukou, on fait du bruit pour la ville aux 1000 mosquées. Bodoukou, la ville aux 1000 mosquées. Et puis Ephraim, on remercie encore tout Bodoukou pour le dernier ramadan et puis pour tout le ramadan d'avant. L'une là, ça dort chez vous. On dit quoi Ephraim, ça va ou quoi? Ouais, ça va, ça va, ça va. Tu fais quoi dans la vie, mon frère? Bon, je suis élève. Élève, élève en quelle classe? BT, première année. Ah, d'accord. Donc, bonne chance à toi, alors. Tu dois passer le BT à la fin de cette année? Non, je suis en BT, première année. Ah, ok, d'accord, ok, ok. Bon, d'accord. Ephraim, les indices sont, je suis léger, à la fois utile et également pratique. À quoi penses-tu, Ephraim? Bon, moi, je pense à une aiguille. Une aiguille, une aiguille. Ça aurait bien pu être une aiguille, Ephraim. Tu n'as pas mal pensé, mais c'est que ce n'est pas la bonne réponse. À la prochaine. Oui. Oui. Écoutez la mélodie, quoi, quoi. Hey, je mets nom blessing la voix aux belles mélodies. Je vous bougnon, je bougnon la guitare, mon Seigneur, la guitare. De boyan le 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 le, ouais c'est soua 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 soua, on de boyan le 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 le, amen et jalo 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 lo lo lo, téléphone. Allô. Oui allô. Allô bonjour bonjour monsieur. Oui bonjour monsieur Maurice. Comment vous vous appelez? Monsieur Dja. Monsieur Dja. Monsieur Dja, vous nous appelez d'où? De Boaké. De Boaké. On salue la capitale du Bekin. On salue tout le monde à Boaké là-bas. Donc, monsieur Dja, matin, okay. Vous voulez prendre 1 million là pour aller à ça à Boaké? Tout à fait. Ah, ok, d'accord. Donc, les indices sont légers, utiles et pratiques. Légers, utiles et très, très, très pratiques. À quoi pensez-vous, monsieur Dja? Bon, je pense à une cuillère en plastique. Vous pensez à? Une cuillère en plastique. Monsieur Dja! Vous pensez à... Oui. À une cuillère en plastique. Ah, vraiment, c'est la première fois qu'on nous propose cet élément-là. Hein. Mais c'est bien pensé, monsieur Dja. Vous avez bien réfléchi. Vous avez failli être là-bas. Mais comme vous appelez de la capitale du Bekin, hein, on ne peut pas vous laisser partir comme ça. On vous donne une seconde chance, hein, parce que vous appelez de loin. Donc, monsieur Dja, qui est en plastique là, c'est poteau. Donnez une autre réponse. Pensez à autre chose, trouvez quelque chose d'autre rapidement. On vous donne une seconde chance. Ça, c'est pas souvent que ça arrive, hein. C'est parce que vous êtes je sais que vous êtes un fidèle Wamien, vous dormez pas seul, regardez William à midi. Donc, quand c'est comme cela, là, j'aime donner de seconde chance. Ok, bon. Une boîte d'allumettes. Hé, hey, monsieur Dja, vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Est-ce que ça fait tchaka, 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 tchaka? Hé, hey, monsieur Dja. Bon, monsieur Dja, merci de nous avoir appelés. Oui. Et puis, n'hésitez pas à retenter votre chance. Hein? À la prochaine. Je salue tout Boaké. Ouais. Je sais ton côté, on te salue. Innocent, innocent. Ma coco, 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 coco. Ma cocio, cio, cio. Pressé soin. On va prendre le dernier appel. Allô, monsieur Nguesson. Oui. Allô, monsieur Nguesson. Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Nguesson, comment allez-vous? Très bien, chez vous. On est là, ça va très, très bien ici. Vous nous appelez depuis quelle localité, quelle ville, quelle commune, quel quartier? J'appelle de Boaké, Brousseau. Ah, Boaké est déchaîné aujourd'hui, on fait du bruit pour Boaké. Monsieur Nguesson, monsieur Nguesson. Oui. On a trois indices pour vous aujourd'hui. Ce sont légers, utiles et pratiques. À quoi pensez-vous, monsieur Nguesson?
bien, je pense à une petite cuillère en plastique. Monsieur Nguessan, bon, vous laissez une deuxième chance. On vient de dire ça tout de suite là, on dit que ce n'est pas ça. Tissu. Ah, monsieur Nguessan, rapidement, trouvez autre chose. Je pense à un sachet de Nescafé. Monsieur Nguessan. On sait que le café, c'est important, ça réveille. Mais là, ton Vanwa, là, c'est trop gros. Hein. C'est un super Vanwa. Merci, monsieur Nguessan. On se retrouve demain pour d'autres Wamiens qui vont essayer de remporter la cagnotte de Willy avec les mêmes indices, avec le même objet à l'intérieur. On part rapidement pour la pause publicitaire. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Willy à midi. Allez, à tout de suite. De Willy à midi, on se retrouve ici. Toute la semaine, du lundi au vendredi, à partir de 11h30 jusqu'à 12h45, pour se faire plaisir, pour se détendre et pour passer un super moment de divertissement audiovisuel sur les antennes de Live TV, la télé sans filtre, bien sûr. On poursuit en même temps avec notre vidéo du jour. Je crois que nos frères Odieneka ont bien retenu la leçon après leur dernière rencontre avec les Chinois. Vous-même voyez. On peut vite apprendre une langue comme ça. Boys. Oui. Peut traduire, pardon. C'est qu'il a dit là. Ouais, est-ce que non, ça c'est une affaire chino-chinoise. Je peux pas même abuser de. Ah, franchement, je comprends. Ils sont. Tu comprends? Ouais, la leçon est bien rentrée. Disons, vous-même, vous parlez chinois maintenant. Ouais. Ah oh, les mains de Jet Li. J'ai levé. Allons-y vers les pépites. Pépite 1. Christian Dior, son Sénégalais. Il a dit, oh les gars, on est assis ici. On cause, on parle, on rigole. Dja! Christian Dior a un enfant au Sénégal, non? Et puis nous-mêmes, on ne savait pas. Henri Faux me dit. Boris. Oui. On voit une photo qu'Akissi nous a envoyée hier. Vous nous présentez son nouveau sac qu'elle a acheté. Oui. Un sac de luxe. Le sac de luxe. Très magnifique. Très joli. Caro sur nous maintenant. Oui. Son blanc noir. Oui. Mais. C'est ce qui est écrit dessus là. Ils ont écrit quoi? Tu es sûr que tu veux entendre? Faut me dire. Ils ont écrit Christian Diop. Christian Diop. Il n'a pas dit. Christian Diop, je ne vous ai pas dit. Voilà ça. Si il n'avait pas montré la photo, c'était pour dire que non, il est mort. Il vous menti pourquoi? Christian Diop a fait un enfant au Sénégal. En France, il s'appelle Christian Diop. Mais là, son enfant sénégalais, là, lui, c'est Christian Diop. Voilà ça, on vous a montré tout à l'heure, là. Je sais pas comment vous avez parlé, là, vous allez me croire. Pépite 2, Baoulé, quoi. Vous savez, en général, les Ivoiriens, ils ont le style. Hein. Nous, on est des gars, on aime bien s'habiller et tout. Mais il y a quand même certaines exceptions. Henri. Alors, c'est écrit. C'est écrit quoi? Comment dire à son chéri? C'est quelqu'un qui a fait une publication. Yes. Et la personne a dit quoi? Comment dire à son chéri? Comment dire à son chéri? De s'améliorer au niveau vestimentaire. De s'améliorer au niveau vestimentaire, ok. Il y a quelqu'un qui est venu répondre vite fait. Ils ont répondu quoi? Si c'est un baoulé. On dit si c'est un baoulé. Ne gaspille pas tes efforts. Ne gaspille pas tes efforts. Pour eux là, c'est spirituel. Pour eux là, c'est spirituel, voilà. T'as dit en matière de style là, pour les baoulés là, c'est spirituel. Toi aussi, ma soeur, faut laisser. Pour les baoulés là, c'est une histoire de débardeurs fourrés dans culottes, non? Longue chaussette sur soulier. Donc tu ne peux pas, tu peux pas comprendre. Faut laisser ça comme ça. Voilà les gars ici. Voilà les gars ici. Hein? Faut les laisser là-bas. Ah, toi aussi. On va pas aussi loupé. Chaussette à qui tu ses talons, non? Et puis ça finit sur ses genoux. Champion, demandez les gagous. Les gagous vivent leur vie normalement sur terre, à travers la Côte d'Ivoire et le monde entier. Laissez les gagous en paix. C'est de Baoulé, ils ont parlé de les pépites. Hé, Willy le l'araignée, avançons là-bas. Merci. Pépite 3, la rancœur. On dit souvent qu'après l'amour, ce n'est pas la guerre. Mais il y a des gens là, eux, ils n'ont jamais connu ça. Hé, Henri, on dit quoi? Il y a un gars ou une go qui a publié. Ils ont publié quoi?
Mon ex et son nouveau gars n'ont pas eu le bac. Mon ex et son nouveau gars n'ont pas eu le bac. Seigneur, tu veux boire quoi? J'ai dit, il va offrir une bière à Dieu tellement qu'il est content que son ex ait échoué au bac. Oh, mais vraiment. Donc toi, ton ex, ça s'est devenu ton ennemi en même temps, quoi. Quand même. Tu souhaites son échec, pourquoi? Hein? Oh, après l'amour, c'est pas la guerre. Aimez-vous les uns les autres, c'est ce qu'on nous a demandé. Et puis tu souhaites que le pauvre gars échoue au bachot. Faut pas faire ça, hein? Y a rien dans la haine. Pépite 4, on va voir clair dedans. Il y a certaines choses qui se passent dans les maisons, là. Parfois, il faut essayer de mieux comprendre. Henri, vas-y. On voit une publication. Oui. D'un papa. Un papa. Mais d'après mes informations, oui. C'est le papa de la famille Kra. Ah oui? Oui. Ça devient intéressant, là. Qui dit ceci? Il dit quoi? Vu la vitesse incroyable. Vu à laquelle? Vu la vitesse incroyable. À laquelle? À laquelle? Vos savons finissent vite. À laquelle vos savons finissent dans cette maison? Vite. Oui. J'ai installé une caméra. J'ai installé une caméra. Dans votre salle de bain. Dans votre salle de bain. Il y a quelques jours. C'est-à-dire, il y a quelques jours, il a installé une caméra dans la salle de bain. Sans vous dire. Sans les prévenir. Alors, finissez votre nourriture. Et nous allons regarder les images ensemble. Maintenant, regarde l'image d'illustration. Tu comprendras tout ce qui se passe. C'est-à-dire, lui, quand le papa lui a dit que. Il y a la caméra qui a été installée dans la douche. On va aller regarder là. Sa vie est détruite en même temps. Il n'a plus fait. Il a perdu l'appétit. Tu ne connais pas encore. C'est que tu fais dans la douche, c'est un savon, et puis ça finit vite là. Nous tous, on va savoir. Tiens, ça vient, mon petit. Ah, gros savon, de le téléphone là, ça ne fait pas deux jours dans la douche. Ah. Tu te laves comment? Franchement. Ça, c'est un grillage, tu te laves ou bien? On voit clair dans cette histoire là. Là, comme ça, prochainement, les savons vont durer dans la maison. Avançons. Pépite 5, technique d'approche. Les gars, vous savez, en matière de technique de drague, on ne finit jamais d'apprendre. Écoutons ensemble ce grand maître. Il nous a donné un conseil. Henri, vas-y. Il y a un gars qui a publié. Il a dit quoi? Comment breaker sa voisine du war war? Comment breaker sa voisine? C'est-à-dire comment draguer, comment l'aborder? À vous l'antenne. OK. Il y a un chef qui a publié aussi. Le chef a dit quoi? Réponse directe. Mm-hmm. Tu laisses tomber ton phone dans le Warren. Il dit tu laisses tomber ton téléphone dans le Warren. Et dis-lui que tu ne retrouves pas. Et tu lui dis que tu ne vois pas ton téléphone. Elle va appeler pour retrouver ton phone. Elle va appeler pour que le téléphone sonne, pour qu'on puisse retrouver le téléphone rapidement. Tu as son numéro. En même temps, son numéro est dans ton téléphone. Donc dis-lui merci. Tu lui dis merci. Paye son transport. Tu payes son transport. Et le reste. Et le reste. Que Dieu te vienne en aide. C'est tout, c'est tout. Mon frère, c'est fort. Mon frère, c'est fort. C'est-à-dire que tu es dans le bac à elle à vous. Tu lui poses son numéro, tu ne sais pas comment faire. Tu fais tomber ton téléphone. Puis tu lui dis, mais ma chérie, il ne voit pas mon téléphone. Elle dit, ah, attends, on va appeler dessus, ça a sonné. On appelle dessus, ça sonne, son numéro est dans ton téléphone en même temps. Tu enregistres. Et puis le reste, ça, c'est dans les mains de Dieu. Voilà. Non, c'est un maître. Enfin, ça ne peut pas. Ta stratégie là, je suis sûr que beaucoup vont appliquer ça dans les jours-ci. Je suis sûr. Merci pour ta contribution. Le syndicat t'est vraiment très, très reconnaissant. Merci beaucoup. Ouais. Syndicat à vie, à l'ensemble. Et puis c'est sur ces mots qu'on va achever les. Olivier, oui. On dit Olivier a téléchargé son téléphone déjà, hein. Hé, hey, Olivier! À cause des hackers, ton téléphone est perdu. C'est Abou qui va te rappeler. C'est Abou qui va t'appeler. Il a commencé à lancer son numéro. Voilà, il faut lancer son numéro. Aucune gueule ne va appeler dessus. Ah, Zagbaï, quel jour on vient de dire maintenant, tu as appliqué. On fait doucement. N'ayez pas esprit. Oh, tiens, allons à l'infobus, c'est mieux. On va démarrer l'info buzz avec un petit buzz qui a eu lieu hier sur les réseaux sociaux. C'est M. Fabrice Avignon qui a déclaré que la lecture avait changé sa vie. Avec en illustration une photo de lui où il était écrit qu'il a déclaré qu'il lisait en deux jours des livres de 400 pages. Et certains ont commencé à dire « Ouais, non, il exagère. » Vous savez, la lecture, là, c'est primordial. La lecture, c'est très, très, très important. Et même les recruteurs dans les entreprises, ils disent qu'à diplôme égal, c'est la culture générale qui fait la différence. Et la culture générale, elle est dans la lecture, elle est dans les livres. Donc, les frères, allez-y, lis. Moi-même, là, vous me voyez comme cela, là. C'est pas l'homme ne peut pas trop... Abou, l'homme ne peut pas trop parler. Ah! Hey! Lecture, parce que c'est fin des livres.
Je lis jusqu'à fatiguer. Et c'est ce qui me fait, c'est ce qui fait beaucoup de grands hommes. Ils savaient pas que toi, tu lisais la bibliothèque en une journée. Ils savent pas. Ils savaient pas, mais en tout cas, la lecture, c'est primordial. La lecture, c'est hyper important. Ça t'ouvre l'esprit sur d'autres mondes et ça te donne d'autres sphères de réflexion. C'est important de lire. Je vous incite tous à lire. Faites comme M. Fabrice Avognon et puis vous allez voir, votre vie va s'améliorer. Lolo Beauté libérée, la blogueuse demande pardon. Je vous en parlais hier, l'influenceuse Lolo Beauté a été arrêtée ce samedi 3 juin à sa descente d'avion à l'aéroport d'Abidjan. La blogueuse a été libérée hier, quelques heures après l'annonce de son déferlement devant le parquet. Dans un direct sur sa page Facebook, la sœur de Camille Makosso est revenue sur l'affaire et a surtout demandé pardon. On l'écoute ensemble. Je demande encore une fois de plus pardon à toute la Côte d'Ivoire, à toutes les femmes, aux autorités de la ACA pour ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Ce soir, je mets un seau, je lave mes mains. Dans la Bible, on dit de ne pas jurer. Mais ce tact-là, cela veut dire que votre Lolo, la Djadja, le drone que vous avez connu là, elle est morte. Ces enfants-là, ils ont besoin de moi. J'en ai 5. Les 3 autres, ils sont grands. Mais celles-là, elles sont petites. Au jour d'aujourd'hui, je touche du bois, je meurs. Il n'y aura personne pour s'occuper de ces enfants que vous voyez là en joie. Je suis à Abidjan et je me mets à genoux devant tout le monde pour vous dire une fois de plus encore, je vous demande pardon. Voilà, voilà. Sans ambiguïté aucune, sans équivoque, Lolo Beauté a juste demandé pardon à tous ceux qu'elle a offensés et elle promet de ne plus jamais recommencer. Rappelons que selon la PLCC, elle avait été arrêtée pour atteinte publique à la pudeur, un délit susceptible d'aboutir à une peine privative de liberté. Dieu merci pour elle, elle a finalement recouvré la liberté et retourné auprès des siens. La justice a fait son travail et les choses évoluent dans le meilleur du monde en Côte d'Ivoire. Kérosène rencontre Cristiano Ronaldo. Ouais. 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 Il a défrayé la chronique la semaine dernière avec un maillot dédicacé de la star. Quelques jours plus tard, Kérosène, celui qu'on appelle l'élu, frappe encore plus fort. En voyage en Arabie Saoudite, le chanteur a pu rencontrer son idole, Cristiano Ronaldo. La preuve, une photo qu'il a fièrement partagée sur ses réseaux sociaux. Le cliché a récolté plus de 50 000 likes en moins d'une heure. Ouais. Hello. Hello. Quand tu as quitté à côté de Cristiano Ronaldo là-bas, là, faut venir nous, on te toucher un peu. Voilà les Abou Dougouno ici, on allait jouer ballon, match de télévision, on allait rater penalty à la dernière minute. Dougouno n'a qu'à te toucher, il va voir un peu comment on joue ballon. Voilà. Oui. De Messi disent que c'est statue. Les fanatiques de Messi disent que c'est quoi? C'est statue parce qu'il bouge pas. Mais sur le photo, il n'a qu'à bouger comment? Ah, on sait pas. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? On dit que c'est toi, statue, il y a le sourire, que le sourire est fake. C'est grand. Deux photos de Ronaldo. Tu sais, Henri, on dit quand quelqu'un t'aime pas là, même si tu danses dans l'eau, il va dire que tu soulèves la poussière. Donc là, c'est la fête de Cristiano Ronaldo qui brûle le cœur des fanatiques de Messi. Donc quand on laisse ça comme ça, Kérosène a fait sa photo, ça a chicoté, on avance avec ça. Bravo Marie-Josée Talou. Ouais. On va continuer l'infobuzz du jour sur les pistes d'athlétisme avec l'une des meilleures sprinteuses de notre continent, l'Ivoirienne Marie-Josée Talou. L'athlète est actuellement dans une très, très bonne période. La semaine dernière, elle a remporté son premier succès européen de l'année sur le 100 mètres avec un temps de 10,97 à Florence, en Italie. Deux jours après, le dimanche 4 juin dernier, c'est-à-dire avant-hier, la record woman africaine s'est encore imposée. C'était lors du 69e Memorial Orlen. Yeah! Le nom de la personne qui est là, c'est un Polonais. C'est dit son nom là. Toi, tu es Ivoirien, ça peut casser ta langue. Orlen. Yanush, E-S-Z à la fin, Kushoshenki. Ouais, le mémorial Orlen Yanush Kushoshenki
à Torzow en Pologne, avec un temps de 10,82. Celle qu'on appelle la gazelle de Boisflay signe son deuxième meilleur temps de la saison et établit également le record de ce meeting. Bravo à toi, Marie-Josée, et force pour la suite. La Côte d'Ivoire compte sur toi pour des médailles au prochain JO à Paris. Force à toi. MC One quitte 18 avril production. Après de longues années de collaboration, MC One quitte le label de son mentor Che Guevara. Une séparation faite dans les règles de l'art, sans litige ni clash. Les deux parties ont décidé d'un commun accord de passer à autre chose. Che Guevara l'a expliqué dans une ambiance bon enfant lors d'une de leurs récentes virées. On écoute ensemble KJ, le patron de 18 avril production. Ma maison, on m'a envoyé les livres, hein? Cette fois, ça c'est donc j'arrive. Cette fois-ci, c'est un petit bonheur. Gaïa tête. Je dis, mais il y a quoi encore? Il dit, mon vieux, moi, je vais rappeler. Oh, toi, tu ressembles à elle, belle et manne, hein? Tu rappes. Mais rap est tombé, hein? Le petit a pris son petit truc, il dit, mon petit, faut tuer. Là, le petit, il a tué. Et aujourd'hui, je suis fier. Pour ne pas qu'on dise que je vais là. Mon vieux, c'est vrai, tu m'as pris depuis le berceau, mais où je suis arrivé là, je suis arrivé à un certain niveau, tu ne peux plus m'envoyer là-bas. Moi-même, doucement, je lui ai donné sa liberté, petit. Va te chercher. Pourquoi faire une vidéo sur moi pour dire bon, un matin direct. Mon vieux, que je m'arrête, c'est vrai que vraiment, depuis je suis petit, ok, aujourd'hui j'ai une Mercedes et j'habite à Pata, j'ai évolué. Donc actuellement j'ai décidé de changer de staff avant que ça arrive là. Nous maintenant ta liberté. Maintenant si tu m'as dit t'as fait photo là-bas, tu peux revenir, on fait toujours ta vie production encore. Donc applaudissez pour MC One et One. Voilà qui est clair. MC One et Kejibara se séparent sur le plan professionnel, mais les deux artistes restent très proches et ils restent très amis. Merci à Kejibara pour tout ce qu'il a fait pour MC One. Merci aussi à MC One pour le respect et la considération envers Kejibara. Vous donnez un bel exemple à tout le milieu du showbiz ivoirien. Bon vent à vous et que chacun continue d'être bien inspiré par Dieu. Allez, on est ensemble. Voilà, c'est sur ces mots qu'on va fermer l'infobuzz pour ce jour. On passe tout de suite à l'agenda de Willy. Le CACI, Comité Awoulaba Côte d'Ivoire, organise la présélection de Trècheville ce samedi 10 juin 2023 à partir de 18h30 à la salle de mariage de la mairie de Trècheville sous le patronage du maire M. François Amicha et sous le parrainage de Mme Kwadio Emilienne. Infoline 07 09 16 00 49 01 03 39 39 59. J'y répète, 07 09 16 00 49 01 03 39 39 59. On va passer maintenant à toute autre chose. Vous savez, Henri Diagnamé, c'est un trublion qui aime faire les trucs bizarres en ville. Cette fois-ci, il était dans les rues d'Abidjan aux côtés de Paquito pour savoir ce que vous pensez de lui. On les suit ensemble dans 10 lui en face. Et aujourd'hui, je suis avec le général Paquito, la Mac au 3 trains. Toujours. Voilà. Ça bouge. Ça bouge, Zozo. Et la vie. Ça va. Les Paquites. Ouais, tout se développe. Santé, tout va bien. Les dents. Super. Ok, tu connais un peu le principe de l'émission? Si, si. On va dans la rue, oui, on te braise un peu et puis tu sors. Voilà, c'est ça. On va juste voir un peu la vie des gens et puis voilà, tu dis ce que tu as à dire. C'est bon? Ouais, c'est bon. Tout carré? Bon. Ouais, toujours carré. Ok, on y va. Je vois pas. C'est carré. Oh, il Paquito, oui, il le connaît, je connais. Bon, moi, c'est moi, il me fait rire. Qu'est-ce que tu penses de cette Paquito? Ah, c'est carré, hein. C'est trop carré. Paquito, moi, t'ai dit, t'es Paquito André, tabouré, hein. C'est moi, dit, c'est carré, mec. Peut-être si il grandit, il ne saurait pas que mes enfants soient comme ça. Écoute, tu pourras lui dire ça directement, je pense. Direct. Oui, bah, dis. Jésus. Tu dis que tu pouvais parler devant moi, non? Ah, vas-y. Bah, il ne veut plus rien dire. Parle des papes, c'est carré. Hein, tout, c'est carré. Tout est carré. Tout est carré. Tout est carré. D'accord. C'est que malgré ce qu'on peut dire de lui là, moi c'est seulement dit, je l'aime, c'est parce qu'il est sûr. C'est serment dit. Tout le monde ne peut pas t'aimer à la fois. C'est avec ça on vit. Est-ce que tu connais Paquito? Lui qui consomme c'est Paquito, trois très sort. Oui. Oui, il le connaît, mais bon.
Actuellement, lui-même, il est perdu dans la nature, on ne le voit plus. En tout cas, nous tous, on a Kpakite. Si c'est Kpakite seulement, il veut avoir Kote, ça là. Bon, c'est il y a Dieu dedans, en tout cas. C'est ce qu'il peut dire, il y a Dieu dedans. Sinon, nous tous, aussi, on a Kpakite. On peut constater aussi notre Kpakite. On a Kpakite aussi. Ah. Après, tiens, si tu lui dis ça directement en face, comme ça. Hey, mon boss. Non, il était en train de critiquer, excuse-moi, pardon. Non, il y a quoi. En tout cas, tu joues ton rôle de Kpakite, ça prend à ta manière. Ouais, je vois le Kpakite. Je trouve ça bien qu'il profite assez de ses Kpakite. Bon, chacun fait valoir ce que Dieu lui a donné. Voilà, donc pour lui, c'est son Kpakite que Dieu a donné comme don. Ouais. Donc il met ça à la disposition, quoi. Il fait la promotion de ses Kpakite. Donc qu'est-ce que tu pourrais lui dire si tu le voyais? Bon, vraiment, Kpakite, toi. Donc, je lui souhaite bonne chance dans ce qu'il fait. Bon, dans la nature là, je suis vilain ou soit bon, je suis comment, dis-moi comment je suis. Normal, on n'est jamais trop bon, on n'est jamais trop mauvais. Donc, ce que tu as là, il faut faire valoir. Est-ce que vous connaissez Kpakite? Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du fait que lui, son show est basé sur ses Kpakite? Bon, c'est un moyen pour lui pour avoir son argent. Il pense que c'est une bonne chose. J'aurais trop honte de faire ça. Moi, je dirais voir cette vidéo, comment ça arrive à même pas. Je me plains, en fait. Il a tiré photo à lui, le jeu, elle le voit là. Il a tiré photo à lui. Tu lui diras quoi si tu le vois? Il a touché ses Kpakite d'abord, départ. Attends, on va dire carré. Alors Kpakite, oui. Est-ce que c'est toujours carré? C'est toujours carré, trop carré même. Bon, tout ce que les gens ont dit sur moi, c'est normal. Voilà, forcément, d'autres vont t'aimer, d'autres vont te négliger. Malgré tous tes efforts que tu fais. En tout cas, toi, tu prends toujours la vie du bon côté. La vie reste carrée pour toi. Zozo, sans souci. Et puis, avance avec. Okay, c'est carré. C'est carré. Ouais. Kpakite, c'est carré. C'est vraiment carré. En tout cas, merci à Kpakite pour l'esprit bon enfant. C'est un mec qui est vraiment positif. Il est toujours tranquille dans son coin. Il ne cherche pas des histoires. Et puis, on lui envoie beaucoup d'énergie positive. On va maintenant passer à autre chose. Là, il s'agit de rap. Celui qui arrive est actuellement au cœur des tendances hip-hop sur YouTube en France. Son dernier single avec Gazo cumule déjà plus de 800 000 vues en 4 jours. Il est là spécialement pour vous, Wamiens et Wamiennes. Voici le rappeur Lims. Lims. L'informé. Voilà, bye. Lims. Comment vas-tu, man? Ça va, merci. Ça se passe bien? Ouais, ça va. Tu as habité depuis combien de jours? Ça fait 2 semaines maintenant. Ça fait 2 semaines. Ouais. T'as kiffé un peu la vibe. Ouais, franchement, c'est lourd. Hein. C'est lourd. C'est lourd, surtout la bouffe là. Ah. T'as vu que les gens t'avaient pas menti. Ah non. Comment on dit Abidjan doux, Abidjan doux. Ouais, vraiment, c'est doux. Hein. Les gens t'avaient pas menti, non. Puis, ouais, moi, je vais te donner un peu de bouffe, mais cette fois-ci, elle sera sonore. Ah. Tu vois un peu, non. Une petite bouffe sonore. Okay, c'est une compile de tes vidéos qu'on a pu prendre un peu sur les réseaux et tout. Vas-y. On regarde ensemble une compile de Lips. C'est moi que tu cherches, viens par là que je te casse en deux. C'est tout pour la MIFA, je me dois de prendre soin d'eux. 40 degrés dans le gosier, il est trop tard pour négocier. Pareil que puissant, c'est les bras. Je suis toujours là, t'as besoin de moi. Si j'ai besoin de toi, est-ce que t'es là? Je suis dans le Mercedes, coupé S, j'encaisse. Je suis dans le thème, c'est vrai. Dans la caisse, une paire de fesses. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Faire des séries transactions. Devine qui veut qu'on se capte. Je réponds Pico direction Tello. Je réponds Pico. Ouais! C'est super lourd, tu dégages. Merci, ça fait combien d'années que tu es actif dans le milieu? Déjà, tu as débuté le rap depuis combien de temps? J'ai débuté en 2016. J'étais en groupe avec un ami à moi, Ibrac. D'accord. Puis on a sorti un projet. Et puis en 2019, je me suis lancé en solo. Mm-hmm. En 2020, j'ai envoyé un projet.
Et là, ça va être le deuxième bientôt, là, dans quelques mois. Non, mais franchement, tu fais du très, très bon boulot. Merci, c'est super lourd. Mais en tant que rappeur qui est installé en France et puis qui est d'origine ivoirienne, est-ce que vous essayez de faire des rapprochements avec les autres rappeurs d'origine ivoirienne? Il y a Kaaris, il y a Chebe, il y a Kershak. Bien sûr. Il y en a qui travaillent. Récemment, il y a deux jours là, il y a un cousin à moi qui m'a parlé d'une petite compilation, il est en train de mettre ça en place là. D'accord. Donc normalement, il y aura une compile 100% ivoirienne. Et il y aura des grosses têtes dedans? Ouais, franchement. Il y a déjà quel nom que tu peux me donner? Ah, ça, il m'a dit de pas dire. Ah bon? Ouais, parce que là, c'est risqué. Ouais. Mais à côté de ça, tu as sorti aussi un single il y a quelques jours de cela. Ouais. Première sommation, en feat avec Gazo. Ça cartonne super. J'ai écouté, franchement, c'est vraiment lourd. Ça prend bien. On va voir ensemble un extrait. Let's première go. Sommation, Limps featuring Gazo, on regarde. Ouais, Limps. Tu te sens plus à l'aise sur de la drill, de la trap ou boom bap même? Non, là-bas, je fais de la trap, oui. Mais j'aime bien toucher à tout. Tu as voulu rentrer un peu dans l'univers de Gazo. C'est ça. En vrai, on était au studio, on ne savait pas quoi faire. Mmh. On ne savait pas s'il fallait faire de la trap, s'il fallait faire un peu de mélodie. Donc, on a collé deux sons, tu vois. On a fait un peu de trap et un peu de drill. Et puis, le résultat est vraiment bon. C'est un super bon son. Merci. Alors, c'est quoi la suite du programme pour Limps ici à Abidjan et puis de retour en France? Bah, déjà, on est venu pour clipper. Mmh. On a fait un clip ici. Puis, J'espère que je l'aurai en exclu. Ouais, t'inquiète pas, je vais te l'envoyer. Après, en même temps, j'en ai profité pour faire un tour dans un orphelinat. Oui. Voilà. Et, lequel à Bégerville, Bassam Si je ne me trompe pas, c'était à Bassam. Non, c'était à Bassam. À Bassam, là-bas, il y a la mer. Je ne sais même plus. Ok. En tout cas, je suis allé et tout. On a ramené à manger, on a ramené des fournitures, tout ça. On a parlé. En fait, j'avais peur. Pourquoi? Parce que je me suis dit, moi, je suis pas fort pour remonter le moral des gens. Tu vois? Ouais. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu, c'était souriant, tout ça. Donc, ça m'a boosté. Ouais, direct, ça m'a boosté. J'ai bien parlé avec eux et tout. Moi, j'aurais demandé leurs rêves et tout. Il y en a qui m'ont dit footballeur, il y en a qui m'ont dit scientifique. Il y en a un qui m'a dit qu'il veut devenir américain. Lui, son rêve, c'était d'être américain. Ah, tu vois, c'est le gosse. Non, il m'a fait plaisir. Ouais. Après, j'ai fait aussi un tournoi de foot dans le quartier de ma tante, là, à Loubafrique. Yopougon. On a fait un tournoi de Maracana. Ça s'est bien passé. Hein. On a sponsor Adidas, ils nous ont passé des maillots. Wow. On a floqué Limps ici. On a passé à plusieurs équipes et tout. Non, c'était des bons moments. C'est bien, les gars. Faut applaudir pour Limps parce que c'est vraiment bien de voir un jeune ivoirien comme ça qui est talent fort. Il est en place dans le game du hip-hop et puis il revient ici quand même. Ouais. Un retour de ce qu'il a, de que la Côte d'Ivoire lui a apporté avec ses frères ici. C'est important, ça fait plaisir de voir ça. Ouais, franchement, c'est important de fou. Et tu comptes revenir quand? Parce qu'on m'a dit que tu partais ce soir, c'est ça, non? Demain, je pars. D'accord. Franchement, pour la CAN. Hein. Pour la CAN, ouais, tu veux être là, ouais, tu veux kiffer la vibe. Ouais, ben d'accord, avant que tu ne kiffes la vibe de la CAN, nous on va kiffer un peu ta vibe. Let's parce go. Que tu as fait un petit mix super appétissant pour nous là. Tu vas présenter ça ici sur ce plateau. Les esprits, on va faire du bruit pour Limps. Il présente son son. Première sommation en futur. Henri, tu peux rapporter le micro s'il te plaît? Voilà. Il présente son son. Première sommation en feat avec Gazo. Voilà, et puis ce sera enchaîné avec Hattrick, un autre banger. Limps, on va faire du bruit pour Limps, les esprits. Limps, va les Après, t'as un super rap cypher. Okay. Je peux pas rater ça, non, tu connais. Tu seras assis là, il y aura ton frère Jojo le Barbu. Okay. C'est un bon cœur comme ça. J'ai entendu parler de lui. Ah, ça, j'ai entendu parler. Allez, restez avec nous, on revient dans quelques instants pour la suite de WAM. C'est la pause publicitaire. Allez, à tout de suite. Ciao. Nous sommes de retour sur le plateau de WAM. Merci d'être toujours beaucoup plus nombreux à nous suivre. Le moment est arrivé, l'instant solennel est dans quelques secondes, juste après ce jingle. L'heure est enfin venue de transformer notre plateau en une arène hip-hop sans merci, conduite de main de maître par l'un des meilleurs rappeurs, l'un des meilleurs kickers du pays. On passe maintenant au rap Cypher grand format avec Jojo le Barbu. Jojo le Barbu. Jojo le Barbu. Ouais, le but de Mamarita, ça va ou quoi? Tu es prêt, non? C'est ton plateau, c'est ton émission. Tu gères ton Cypher. Je t'ai dit, tu gères ton gars Limps. Le Big Limps. Voilà. Merci, André. Très bon boulot. Merci, Fan. Bon, Jojo, je m'en vais. Faites votre truc. Y'a pas de drap. Bon, les gars, vous savez, avec Jojo le Barbu, ça kick. Dans ma team, y'a que des 10, y'a que des dangereux. Je suis là avec mon Gbangui. Le Gbangui, tombez, Chaps. Tombez rapidement. Voilà, occupez la scène. Occupez. Tout de suite. On va pas trop parler.
Voilà. Les gars, il y a le Big Glimpse qui est là. Hein. Saluez-le avant qu'on commence l'émission. Très bon rappeur aussi. Tranquille. Voilà. Ça va, bien. Ah, c'est bon, vous aimez trop saluer aussi. Placez-vous rapidement. OK. Il y a un loup soldat. C'est le plus petit, mais il est vraiment tranchant. Mon fils Adé, viens là. C'est bon? C'est bon? Je compte sur toi. Hein. Allons, ça, c'est quand tu veux. Retour pour te mettre au clair. Que rap comme ça, ça les déplaît. Je vois des éclairs, un peu comme Bosley. C'est les paquets, c'est les boosts. On a fumé de paquets pour les booster. Quand on a des paquets, ils ont le maquet. Vous les avez plaqués de la couche. Bon, il y a le talent, il n'y a pas volé. Maintenant, tout le monde est volé. Pourtant, il y a été sur les mêmes sortes. Mais pour les petits, j'ai un petit best time. Tout le monde te connaît. Tout le monde te connaît. C'est les gars, on connaît. Je vois ta casse à décoller. C'est ça qui se retourne. Ils sont au côté. Tout va bouger, tout va couler, tout va rouler. Il n'y a même pas de coller. Tout le temps, ils vont me dire à ma page. Ils vont s'abonner. Ils vont me tirer les bonnets. On est déjà installé. Tu nous testes, tu restes. Il fait des choses incroyables. Je suis plus long. Je suis extraterrestre. Je suis déjà impliqué. Tout est compliqué. Tu pourras pas te dire. Tu trahis ta religion. T'es catholique, mais tu bois l'eau céleste. Donc, il réfléchit, réfléchit, et franchit le flash. J'ai vu que les fraîches, dans j'arrive mon flèche. Je suis fâché, et flashé la fourchette, fiche la fiche, t'affiche, tes poches, tes poches. Rap, tu parles de toi, t'as pas porté qu'à l'essence. Donc, t'es en dessous. Si tu mets pas les pieds, t'en pas. C'est payé dans ma poche, j'ai beaucoup de sous. Je récupère ma place, c'est les pieds, la même classe. Je veux me faire la peau, mais ils n'ont pas le tasque. Il faut que je sache ça où il est passé quand. Tu peux pas comprendre, c'est pas dans l'espace. Hey, et ça, comment faire pour les chefs? Tu payes tes forces, peut-être ton flot m'échappe. Ta vie est compliquée. Ma gagne, t'as dit, tu n'arrives pas, je ne hey, tu peux pas voir, ça, c'est pas dans l'espace. Je vais regarder comment le bien voyez le fort que tu peux faire. Si il t'en a combattu à mon ami, tu sip, sip, aïe, tu transpires, tu peux pas compter tout le coup qui est sigui. Il y a une question que tout le monde se pose qui est fort entre Adé, Mr. Kriegis. On verra habitant Pérou, choco faux baratora de l'opéro. Non, parce que t'as touché la zone des Français là, tu te prends pour un super euro. Il y a les gens, c'est pour ça que tu vois. Avant de la paix, ils sont obligés de boire. Choco, t'es bizarre, hein. On se va dans ton show, puis t'as mis tes froids, hein. Oui. Du bruit, et vous sympa, du bruit. Lim, comment tu as trouvé les éléments? Ah, voilà, ouais, non, tu vas pouvoir mélanger avec le noussi. Tu comprends le noussi, ouais, non? Ouais, 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 si, si. Voilà, si, donc les gars. Non, il est bouillant, il est bouillant. Dans ma team, il n'y a que des 10. Ah, c'est y ici, y a... c'est au pied du mur, on voit le vrai rappeur. On ne drop pas ici, il n'y a que des gangs dans ma team. Il a appelé le deuxième. De toute façon, il est long, là, c'est quoi, il a talent. Le big senseur, viens un peu, mon fils. Allons ça. Yeah. Sens. Bacavé. Ok. Hey. Mister l'état, j'en ai dans mon corps depuis longtemps. Tu ne peux pas être à l'intérieur si t'as pas de temps. Avec mon boy, il n'y a pas de frère. Alors, sur le mot pour moi, rapper avec ces petits rappeurs, c'est une perte de temps. Après ça, c'est qui appartient à ses appétits. Faut honnête, l'âme de on dirait c'est les arts. Elle fait la mise, mais la comportement de tisa. Tu les vois, je lis comme ça, la française, au début ça. À la base, je suis venu pour faire classe, mais non. Autant si tu dis que les mongols sont pas prêts. Je vais réussir, choco, chaka, même en brillant. Mis mon oeil dans la mer et je vais passer, ça va prendre. On est quatre, comment on peut jouer l'ido? Tiri, tu es fan de moi, c'est pas l'humour. Avec nous, il n'y a pas à faire et mal au pied. Même si t'es handicapé, on t'a l'humour. Je vais avoir la faute, mais ne sont pas forts. Fais seulement des mecs et quelqu'un, en tout cas, il sait pas faire. C'est moi le best, toi, mais tu sais que c'est. Si t'es malin, il faut courir. Si tu entends, tu sais pas faire. Si t'as pas les talents, faut partir à la gueule. Premier coupé seulement, déjà t'es belle. Si t'as pas mon âge, faut pas, tu vas m'appeler. Je suis dans mon giga, allez lâcher et belle. Pour le temps, pas de rappel, des moments, c'est ce gothique. Il laisse à faire des folies. Ça là, seulement, il y a Toro. Tiki, ta quoi, filet, mais sans qu'elle soit, elle est Toro. Écoute mes paroles, payez souvent, moi, et Foro. Fais-tu ta quoi, filet, toi, tu sais pas, aïe. Entre Eric et Claire qui est baillé. Si c'est pas paillé, paillé ou paillé. T'as venu me parler, tes frères payés. Oh, champion, tu vas où? T'as pas dit tu veux rapper, aïe. Faut venir maintenant me régaler. T'es casse les couilles, t'as pas dessous, t'es en dessous. Tu peux être fou pour ton moment. On a laissé l'école, mais on a toujours la classe. On peut t'arriver déjà, on vous dépasse. Ce que tu fais là, c'est pas la faute, c'est de la place. Faut te méfier, dis pas qu'avec, c'est de quoi il parle. J'entends, t'en sais pas là-bas par ici. Même dans le noir, t'as pas tout aussi précis. Il veut se frotter, c'est un gamme de pommade, de péritif. Faut rien, faut quitter ici. Attends, c'est ça là, tu appelles rappel là. Y'a moi, ça comme petit poids, c'est avec Bayara, toi qui veux faire clash. Moi, mais c'est que tu ne t'aimes pas. Tu fais la bouche, mais tu connais. Je les boss, aïe. T'as pas de Naruto, mais pourquoi tu es caï? Aïe. Ne m'appelle pas, on est que c'est ça qui donne faille. Tu veux faire fille, t'as pas l'argent, je veux pas, aïe. On est bien, souris, sera, souris. Elle dit qu'elle est fort à courir toi. Genre, c'est comme clé à molette. Tu me connais bien, tu fais S. Pas plutôt, mais la DR, je le serai. Sens, c'est pas par hasard que moi, ici, ici. Si, ici, ici, c'est pas ici, fort. Tu joues un X-Bet et puis t'as pas contre. Faut laisser ça là, c'est pas tous les menus qui ont tort. Me comparer à tes enfants, j'aime pas. Ils me connaissent, les vues, c'est ça. Depuis, tu fais un clip, tu n'as pas quoi, il fait l'eau. T'as même constat, car si elle prend ma quoi, elle va devenir folle. Jean est aussi des folles, non. Si tu veux oublier que Babi est dit, faut partir à Bijan Molle. Attends, t'es bête quand même, hein. Est-ce que t'es un bateau, y'a deux commentaires, hein. Et qu'elle rate, y'a qu'elle est bon commentaire, tu as mal choisi ton temps. Il dit, viens, ben, pardon. Y'a quoi? Y'a quoi? Y'a quoi?
Tout ça, Lims. Tout ça, c'est à cause de toi. Hein. C'est là, donc ils vont enlever leur gorge ici aujourd'hui. Donc le prochain. Mon fils Kaïdé. Bon, il y a une polémique à l'air là. Hein. On dit les rappeurs de maintenant, là, ils savent pas rapper sur les beats old school. Hein. Est-ce que tu peux? On te met beat old school, c'est bon? C'est quand tu veux, allons à ça rapidement. Il n'y a pas de temps. Wow, je rappe au nom du père et au nom du fils. Le God MC est déjà peint, donc les petits démons fuient. Boss, ça vient de boy, encore les cas UD quand il écrit boss. Attendez. Petit, tu attendais ça depuis longtemps ou bien? Tu attendais ça depuis longtemps ou bien? Non, vieux, il y a trop de way qui se passe. Lims, il a attrapé l'instrumental. Hein. Ah, tu as kiffé? Il était préparé. Il peut continuer? Allons, ça, c'est quand tu veux. J'appelle au nom du père et au nom du fils. Le God MC est déjà peint, donc les petits démons fuient. Boss a des boys, on croit le KUD. Quand écrit boss, on dit je go ou ensuite ils prennent la fuite. Jamais bien l'école, je peux pas gâter mon nom. C'est seulement saison pluvieuse qui est séchée à la cour. Moi je suis un police, ça change pas, c'est foyer suit. Depuis un foot, des suites, tout rien ne font que le chemin. Deux choses dans l'anglais, t'as tout raté au lancer franc. J'ai comme œuf de poulet, en tout lancé si c'est franc. Toi tu dis galère everyday, que le bon Dieu te fortifie. Tellement tu mens, la petite te dit ton bonjour est falsifié. Transaction, on dit quoi arrive, c'est comme mon copie, c'est pas. C'est vilain, puis tu n'as pas l'argent. On parle même, tu te fâches, élément. Par revenir ta bouche, c'est pas la magie, c'est le rap. Tu ouvres ça comme les deux derniers, ah du non, sont pas ça va. On est fort, c'est à ça va. C'est toi, il y a pas là-bas. T'as qu'on dit que tu parles trop, mais tu veux une vie, t'as pas ça. Ça casse ou bien ça passe pour toi, c'est normal, tu veux siège, tu connais rien. Pendant qu'on bosse pour avoir Dieu, toi tu y'a du calme de ce que je suis entré. Je suis comme le franc, vous voulez les gars, prenez notre fils, c'est la rentrée. Tout d'abord, je vais me présenter. Le place est KUD, boss, on fera tout, mais pas de plaisanterie. Comment ça fait du rap, n'oublie jamais la base. Faire du sale ne signifie pas qu'on peut se défendre face aux autres rappeurs. Je suis pas rappeur, pour cette fois-ci, c'est moi le prof. Prenez note, les bons élèves, le rap en school n'a jamais pris de fête. Crois en Dieu et aussi en ce que tu fais. Je limite pas ce que tu sais, prends pour habitude de te surpasser. Moi je corrige des tests avec des condoms sur les mains. Dans ce game, il y a tellement de lacunes que je me sens obligé de me préserver. Sauver le monde, non c'est pas à nous de le faire. Que chacun regagne sa place, pensons au moins au mini-justicier. Juste en classe, après on voit plus loin que celui qui est dehors. Ta carrière a décollé, mais n'a pas pensé à son atterrissage. Vouloir plaire aux gens tout le temps n'est pas le plus important. Quand t'es qui fout pas, ce qui doit compter, c'est si toi tu es content. C'est si tu as des contacts pour te faire rentrer des sous. Si quand tu sors tôt le matin, tu rentres le soir et avec du content. Les petits là sont méchants. Hein. Les petits là sont méchants. Entre vous là, qui peut dire aussi un beat old school ici? Attends, la dernière fois, il y a mon fils qui s'est fatigué un peu là. Viens montrer que tu peux. Tiza, il a été tête ici en même temps devant les gens. Allons, ça, c'est quand tu veux le même beat. Tiens. C'est quoi ce connerie là, mec? Oh. Yeah! Wow! Yeah! 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 Ça raconte partout que c'est pas faux, que c'est tombé. Parlez de moi, ça me plaît, vous parlez en mal, mais est-ce que c'est fondé? Vous avez attendu vos glissements pour faire affichement, mais c'est rien, bro. On peut dire, je m'y attendais. Pour une première fois, la télé, c'est jamais facile. Avec le temps, ça sera simple, encore plus facile. Je remercie les pas bien composé toutes mes réos. Mes frères m'ont dit, mon petit, il faut regarder. Oh. Pendant ça cherche à être gros, point, j'ai déjà cabri. J'ai fait des trucs qui sont bons dedans, ça n'a pas pris. Je vous ai raté, c'est bon. Il est bien pour vous. C'est l'émission des 10, c'est l'émission des rappeurs des meilleurs kickers. Normalement, c'est une émission de rue, mais grâce à Willy Dumbo et au père Boris, mes petits sont là. Ça s'applaudit. Applaudissez. Mon élément. Tes petits sont chauds. Ils sont bons. C'est des 10, vraiment. Tu kiffes le rap, ivoire. Ils connaissent, ils savent ce qu'ils font. Moi, j'aime ici bien. Ici, Andjaï. Ils t'ont vu, ils vont rapper tout ce qui est dans leur ventre aujourd'hui. Là. Le prochain, lui. Vraiment, Autopsie, viens, pardon. Toi-même, tu as t'annoncé. Faut t'annoncer toi-même.
faut t'annoncer toi-même, voilà. Seigneur Autopsie. Voilà, des rappeurs, bien sûr. On ne parle pas trop parler, moi, il parle pas trop, moi, il parle s'instruit. Ah. Donc, on tape dedans. Alors, ça. Bac à verre, toujours. La France a développé, maintenant, j'ai un Didier, Didier Deschamps. Hein? Hey! Wow! La France a développé, maintenant j'ai un Didier, Didier Deschamps. Entre nous, si et si, dites-moi qu'il aime front. Entre planteur, choriste, dites-moi qu'il aime chant. Entre brouteur, amoureux, dites-moi qu'il aime temps. J'aime galette, mais tu n'aimes pas te baigner. Attends, tu gardes cheveux. Allez, ministre, on connaît pas les derniers. Les premiers seront les derniers. Hey! Vous êtes autus. Bon, ça fait rien, je vais vous prendre comme amuse. Mais si vous ne pouvez pas me satisfaire complètement, que notre lettre, mon mieux, comme le ventre. Et l'esprit ouvert à tous, dans ma tête, il n'y a pas porte. Tu veux préserver ta vie, faut lui faire porter capote, tu n'abordes pas une fille. Si dans sa main, il n'y a pas porte, tu vas te go de quoi être comme si t'as jamais mes époques. Hey. Ma belle-mère s'est préparée, c'est pour ça ma veau a cuit. Mais je suis jatouli, j'aime pas ton cherche pas femme la nuit. Elle me voit et elle me dit, autopsie, je te kisse. Tu es vilaine, t'es pas quitte là, toi tu vends, voici. Premier rappeur qui tienne à son yoï, y'a même ma main dessus. Faut essayer talentueux, et showbiz qu'on n'est pas sain. Faut mettre l'argent dessus, j'ai mis ton pain en pépé, statut, ça suffit pas. Si tu veux, faut mettre peinture dessus. Mais le jour on est gamé, en deux autres mouvements, vous pouvez mettre la main dessus. Hey, en plus, faut essayer plus intelligent que. Raison pour laquelle les gens m'adorent, faut que je vois quoi. Ils sont pas, je connais dit autopsie, c'est le mieux, mais c'est la vérité depuis qu'ils ont vu peu de pas quoi. La hauteur de mon talent, la hauteur de leur talent. Faut qu'elle a son coucou, tu sais, de baisser les galons. Pareil que tes fonds de mon divise, de baisser pour talon. C'est des faits malins, on sait pas, nous qui dans le salon. Les tasses occasion, la façon de voir les rappeurs en façon, les poissons en façon. Bon flanc en façon, les émotions en façon, parce qu'il y a bossé en façon, vous rappelez en façon, en façon, il y a mis de l'enfant en façon, toutes les bêtes à ça en façon, allez, façon, mon sang de bien, gazon en façon. J'ai pas continué, hein, j'ai des grands de miens, hein, à pas mourir rien, hein, mon flot aimait bien, hein, attendez ça bien, hein, regardez ça bien, hein, devant être l'homme, sinon devant mon terrien, en bruit comme l'homme, le domine, donc mais donnez-moi la place qui est mérite, c'est combine, combien sont capables de faire ce qu'elle fait, et puis comment, envie d'avoir une copine, copine, c'est une copine, et puis. Yadi, attends mon garçon, j'ai conçu jamais cinq garçons, attends le garçon, mais façon, il veut le passer au basson, t'es tous les maçons, et façon, les tasses au basson, la façon de voir les rappeurs, en façon, on fait des boissons, en poisson, bon flanc, en façon, et ce que mon seul, en place, parce qu'il est bossé, en maçon, vous rappelez façon, en façon, il y a mis des lancers, en façon, pour les mettre à son, en façon, à l'étape action, parce que bien, action, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est la pub, la pub, la pub, la pub. Ouais, ouais, on est revenu, on est revenu, on continue le show, c'est chaud bouillant, c'est chaud, c'est gâté ici. Tellement il fait chaud, même, il a envie de me déshabiller. Mon frère, comment tu trouves tes petits frères? Moi, c'est des 10. C'est des 10, non? Non, c'est des 10. J'ai rien à dire. Je peux rien dire. Je maîtrise. Je me suis trompé. Elle dit qu'il y a des vieux dedans. Hein. C'est pas des petits frères. Donc voilà, on continue avec un lourd soldat. Mon fils Trapa, viens prouver, viens montrer de quoi tu es capable. Allons, ça, la scène t'appartient. Je tape mon abo. Je sors le chien. Je tape. Faut qu'il s'en pas roulé, gars. Je vends du même parfum, c'est gagné mon pain. Je rapporte en plaque à l'île, c'est que tu as faim. Tiens, et depuis que t'es au Pikachu. Et même si on te raconte, on embrasse ton braque. Et les frappes avec un joue, baby, c'est que c'est craque. Et la bataille, c'est pas dans les moutous. Mais tu pas d'autre but de trappe, on crie pas. Qu'il s'agit de paquets, carré, 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 carré. Je lui ai donné 5 bobos, il m'a dit qu'il voulait des sous. T'as tu prends comprimé d'endurance. Hey, vous frappez au co. On dit la fille, on détruit, c'est détruit, détruit, cherchons les tout rocs. Quelqu'un qui est malade, nous amène encore rien. Quand il est trop arrivé, ici ça cache pas. Bon, ça va construire notre bambo. Il te relâche, ça passe à notre bobo, 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 bobo. Attends, 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 tu as rappé de ta langue. Ouais, est-ce que tu veux refaire ça? Ouais, tu veux refaire ça? Attends, allons ça, allons ça, allons ça. Bon, ça va construire une pomme, Bougo. Il trouve là que ça passe à la gogue, bac, 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 bac. Travaille aussi, tu as construit ta maison. C'est un truc comme ça. Non, allons un peu, hein, le. Hé, hey, calme-toi. Ok. Hé hey. Tu veux travaille la plus bâclée, c'est magique, Zakra. Hé, hey, calme-toi. T'es pas rapide, t'es pressé. Après, mon fuck, il est gris.
ça c'est une porte craquée. Mais ta goûte dit qu'elle est vieille. Chip, chaque soir, moi, tape ça. T'es vilain, tu voudrais plus t'es bête. Ma goût en forme, ta goût est formée. On est venu pour faire le ménage. Quand on s'y est, tout dégage. J'ai ma demande, c'est 600, 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 un instrumental. Steve Paul, allons ça. Steve Paul, c'est chaud ici, hein, les gars, c'est chaud, c'est chaud. Du bruit, les gars, du bruit, les gars, du bruit, les gars. Allons ça, petit, la scène t'appartient. C'est calme. C'est le bac à festin. Tu la caresses, mais moi, je la tape, c'est toi le logo, c'est moi le bandit, je l'aime à mort, mais elle m'adore. Quand toi, si tu cours, t'es mort, on va rapper jusqu'à la mort. Si ton rap est une ou tort, il va la magie, à braga, ta braga, et rap, tu me régales, c'est moi le don goro, tu peux me décaler, c'est moi. Très gros, tu vas vraiment boire, y'a tout, y'a tout, y'a tout, tu vas rouler, voilà, c'est la gang, moi, si le goro, il va pas les mêmes, à ta belle, tu cours, mais petit, c'est ça, le mot, c'est que je vais la petite, vas-y, ok. Tu veux rien, mais tu prends faux cœur. Tu t'en gorges, je vais te rembourser. Mais tu veux te calmer, tout le monde a gros cœur. Tout le monde est fier. Steve Paul, garde ton stylé. Steve Paul, c'était le Steve Paul. Là, il y a appelé un Louga, un élément. Très, 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 très dangereux, un habitué de la scène. Mon fils KG, viens, c'est quand tu veux. Tu as le micro. Voilà, allons ça. Hey yo, c'est le KG de 5, toi tu sais que moi c'est le flow vient de Jupiter, il y a 3, 3, 5, 0, 0. Wow. Check. Hey. On nous demande quelle viande on veut manger. Je dis gazelle, Charlotte dit panda. Go bébé, faut pas toucher ici, hein. J'en pour toi là, c'est bois de Pandore. On peut plus m'arrêter quand c'est garé. Viens pas traîner avec nous si tu sens belle. Moi ma montre c'est 10 carats, mais la montre de Thomas c'est 100 carats. Wow. Moi et Borima, j'ai un papa. Je peux tout faire à Mzougoul, même bébé. Parce que Michel, t'as dit, si c'est pour la Michel, ah Michel, c'est quelle histoire de capa pour me couper, waouh, Dodo, ils sont en train de chialer. Et si c'est rien, comme David, j'ai chié au marche. Dès 1 avril, la petite veut me tasser, y'a pas de mi-tiens bon, maman, c'est pour faire des chiens, non. Hey, est-ce que toi, tu connais des gars que l'il y a? Toujours nous, on part à petit, y'a pas à férié. On n'est pas dans les deuxième, troisième, non, on est venu pour tout, et puis on est sérieux. On dit devant quand tout fan, tout boy, y'a tout, c'est plein, y'a tout fait tout seul, c'est un papa, et moi, elle fait le consort, consort, et puis ça prie. Voilà, là, y'a comme éteigner. Ouais Jimmy, coup de zèle, tout ce qui fait par rapport, mais tu es très bête. Nous on n'est pas dans les clashs, ouais, c'est un laissard, donc on a russe à l'époque, tu es bon. Y'a des capitaux, tout ça petit rappel, y'a les téléguidés, y'a les éliminés, les éteignes comme toi. En vérité, je suis pas venu pour faire du mal, c'est signal pour vous dire chaud, pour dire tunnel. Technique, c'est moi, faut me déposer ici, hein. Payer de ma tête à Jupiter aussi, hein. Je vais fumer à Dieu, ton sien, vite, vite, y'a des niveaux comme le sien. Je suis pas camarade de quelqu'un, y'a pas quelqu'un qui est mon camarade. Comme il faut voir, c'est la technique de ma. On est venu s'amuser, pourquoi tu te fais faire vache, belle louche, change-moi le flow pour te. Hey. Ha, le flow va de Jupiter, bro, t'as dit que Moïse, c'est le coup de point V, ils ont perdu, ça fait une fois. Mon fils, c'est propre. Tiens. Viens me saluer là, y'a quoi? Tiens, sous les hein? Phénomène, viens comme tu as déjà commencé, viens terminer ce que tu as commencé. Allons et ça, c'est quand tu veux. Le même beat, hein, allons et ça. Ce n'est pas grave!
phénomène authentique. Ah, c'est des tests, c'est des tactiques. C'est quand tu me vois que toi tu dégaines. Les sang qui a peu, puis si elle est là. Dans ta main sort. Hey! Même si c'est pas rap, c'est quand ils sont insolents. C'est quand les bêtes finissent qu'ils deviennent humbles. Ils sont tous timides, qu'ils n'ont plus un. Ils réfléchissent comme Soula. Quand c'est bon sur les côtés, ça te pose des questions. Tu sais qui est celui? En tout cas, on sait pas de l'Européen de qui. Donc on n'est pas la personne que tu suis. Quand l'Européen à côté, il me sent distrait. Quoi, allons jouer dans le pas, souvent distrait. C'est quelle habitude ça là? Vous voulez me citer, puis après vous allez me frustrer. J'ai, ça prend pas ici. Ça c'est le risque à la fois, ça compte pas ici. Je vous dis, ça prend pas ici. Oh. Ça c'est le risque à la fois, ça compte pas ici. Il se rap, papa de ça là, c'est moi. Où sont les mogos de pipi de ça au lit? C'est vous? Hein? On papi de ça alors, on laisse. Hey. Quand il s'agit de la paix d'abord, on ne parle pas de ça. On est fort, mais on ne parle pas de ça. Ma petite est fraîche, t'es belle et c'est, mais t'es sale, moi je passe par ça. Je suis le pays fils de papa Rita, tu vois que ça t'étonne, tu vois que ça te prend. Si c'est 50 millions, on n'a pas qu'à ça de ça. Et puis son bois de nuit, on va la dépasser. Wow, on te parle et puis tu réponds. Et t'es dans la tâche, je me fais de ton. Bro, ça veut dire quoi? Cela, c'est comportement des démons. Je sais bien. Ah ouais, mon fils, c'est un dard. Le dernier vient, il est très lourd, très lourd. Le Curtis, viens montrer de quoi t'es capable, Berry. Allons, ça, y'a pas tant. Il faut tout déchirer et confiance. Allons avec. Après, vous de propre, tu connais pas bien, vous ne connais pas bien. Propre, c'est de là que ça vient. Y'a pas rappel qui peut couper mon cœur dans ta flan. Et combien de billets tu me blesses? Tu dis tu sors pas, elle aime reblesser. Mais y'a pas de pression, on a besoin de pressing. Pressing, faut pas te dépresser. Maman dit que je suis le fruit de ses entrailles. Donc, le rap, c'est ma passion. Y'a pas d'entra, d'un jour tous les rappeurs sont mes coques là. L'école utilisait ma gueule, mais tous les jours c'est moi qui crée. Toi même tu sais que tu n'es pas faux, hein. Mais devant des foules que tu veux crier. Je dis, moi les fréquenter au collège, mais devant mon école ils ont lycée. Yo, tu peux déjà habiter bon quartier, si tu veux voir cité propre. Tu dis quoi, c'est mes petits, c'est mes guéris, c'est mes cocorons, mes pains. C'est des de mes quartiers, c'est mon bras de bagaou. Parle-moi de cela, c'est la vie, c'est vilain gars, je connais pas la bouteille, je connais les palaces, un, deux, trois soleils, où tes habits sont caoués. T'en passes catégorie la peau, cache-cache, une égorie cherche, que tous en a joué. Check, après il finit remplir avec regarder les piwis. Oh Dieu, docteur Meneur, tu ne prends pas. On parle mon handicap, la boucle a fait 10 000. Il a fait le malin maintenant, l'ami Apollo, c'est pistache du staff. Pas la pala pour le polo. Dites là, c'est nous les boss. On fait le mal, on fait les bons bien d'agnéré. Propre, yao. Au bibi, on brinque, ça parle. Tu finis, on prêt, faut régaler, c'est rap. Il va qui fait snobber, on parle, on fusion, on trace, c'est que maintenant y'a pas lu. Y'a pas la bête qui fait peur. Y'a pas la bête qui veut couper mon cœur. Viens ta flasque, c'est que pour l'année flemme, ma gueule. Toi, tu connais au bibi, au bien. Là maintenant sur le plateau, franchement, les gens ont trouvé. Mais c'est trop. C'est trop. Mais c'est trop. C'est trop. Le rap, il voit rien. Vous êtes trop fort. Super top. Vous êtes trop fort. Bravo les gars. Applaudissez pour vous-même. Applaudissez pour vous-même. Voilà. Merci. Merci Jojo. Merci d'avoir amené tous ces grands talents sur notre plateau. Je sais qu'ils vont revenir pour venir plus encore.